Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono et comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ce week-end de s'abonner. Ma passion des paris sportifs, eh bien, ça grandit de plus en plus et surtout avec la chaîne YouTube, la vidéo des 10K est vraiment presque bientôt finie. Vous allez voir ça très certainement demain. Bref, comme d'habitude, je vous demande le petit pouce bleu pour le soutien, c'est votre petite contribution et c'est très important. Eh bien, pour moi, pour la chaîne YouTube, et si vous voulez également avoir d'autres avantages comme des pronostics chaque jour, des conseils, etc., vous pouvez cliquer sur rejoindre. N'oubliez pas également, avant que je vous donne les deux pronostics aujourd'hui que je vous propose pour la Ligue Europa, que vous pouvez également, si vous souhaitez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, et bien sûr, c'est gratuit, tout est dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une seule rencontre, mais il y aura deux pronostics, du moins en public. C'est sur le groupe B entre la Real Sociedad et le PSV Eindhoven, une affiche qui est très importante pour les deux équipes, puisque si la Real Sociedad remporte ce match, ils se qualifieront pour les 16e de finale de la Ligue Europa, une victoire donc primordiale pour le club basque qui sera à domicile. Par contre, justement, les Hollandais, eux, qui n'ont pas eh bien, cette pression, on va dire, comme les Basques, puisque un match nul leur suffit eh bien, pour se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Petit détail, la Real Sociedad a quand même cet avantage de jouer à domicile. Croyez-moi, le public basque est impressionnant, et ça vaut le coup d'ailleurs d'aller au stade si vous jamais vous participez au jeu concours que j'ai installé et j'ai commencé depuis le début de la Liga. Allez voir, c'est pas mal. Pour moi, sur ce match, je vois tout simplement les Basques gagner. La cote est de 1,75 à peu près, mais on va la grossir parce que moi, je pense que les deux équipes vont marquer. Certes, les Basques en ce moment, c'est pas trop ça. En Liga, ils ont échappé beaucoup de points. Ils ont même perdu, alors qu'ils n'avaient pas perdu depuis très longtemps. Mais finalement, je pense qu'à domicile, ils sont non seulement favoris, mais en plus, ils ont toutes les capacités pour remporter ce match. Avec de très bons attaquants et de très bons éléments tels que Isak, le meilleur attaquant suédois, notamment leur capitaine Mikael Oyarzabal qui sera bien titulaire, Merino et j'en passe. Et du côté de PSV Eindhoven, justement, il y a beaucoup de blessés, comme le bien Zahavi, leur meilleur attaquant, le meilleur espoir entre guillemets de cette équipe de PSV Eindhoven. Il a plus de 30 ans, certes, mais c'est vraiment le joueur référence de cette équipe qui marque beaucoup de buts. La raison pour laquelle je pense que les Hollandais vont malheureusement s'incliner, mais je vois les deux équipes marquer. Alors les deux pronostics que je vous donne, c'est la victoire de la Real Sociedad cotée à 1,75 et le deuxième pronostic, c'est les deux équipes marquent cotées à 1,60 plus ou moins. Ça dépend d'où vous pariez, comme d'habitude. Je vais même me permettre eh bien, de vous donner un troisième pronostic si jamais eh bien, vous le souhaitez, c'est la victoire de la Real Sociedad avec les deux équipes marquent. Et là, la cote est de 3,30 à peu près. Je pense que je vais parier sur cette cote-là. Et honnêtement, je risque même de mettre un beau billet. Je vous tiens au courant dans la journée, tout simplement sur ma mise, etc. Sur ce, je vous souhaite eh bien, une excellente journée donc, et de très bons matchs. Je vous dis à plus. À très vite, les amis.